je vous laisse découvrir. Elle était assidue, vice fragile, introvertie, aussi naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'est pas si facile. Pour elle, se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Il met du sel sur le plaid de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle connaît l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, oh, oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, oh, oh. On vit l'époque du virtuel, des tutos pour du Rimmel, Snapchat, Snapchat. Dis-moi qui est la plus belle pour elle. Être aimée c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Pile trop beau, des quelques cœurs sur sa photo. Mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des emojis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle éteint son portable et commet l'irréparable. Soprano.